ce match, un adversaire qui était présent physiquement. On sait qu'il y a eu des difficultés dans la transition défensive, notamment quand on croit pas, ça arrivait très vite. Quelle analyse vous faites de ce match? On a affronté un adversaire qui est prêt, c'est le moins qu'on puisse dire. On a perdu beaucoup de duels en première mi-temps, notamment dans l'axe central. C'est ce qui fait qu'on s'est exposé. Mais paradoxalement, on a 2-3 opportunités en première mi-temps pour marquer et on ne marque pas. Mais dans l'ensemble, le contenu de la deuxième mi-temps a été meilleur. On a été un peu plus conquérante dans les duels, mais on s'est fait sanctionner sur une action, sur un contre. Voilà, bien joué à elle. C'est un bel avertissement de Welcome in Australia. Donc, parfois c'est une bonne chose. Ça nous permet de savoir que cette compétition, on le savait déjà, mais vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de savoir que cette compétition sera très difficile. Non, pas forcément, puisque on était un peu trop loin dans les duels. Et c'est ce qui a fait la différence. Dans pas mal d'actions de la première mi-temps, elles étaient avant nous. Donc voilà, il faut déjà un peu mieux récupérer physiquement. On est arrivé, il y a encore quelques problèmes de sommeil. C'est pas se chercher une excuse, c'est juste dire... on a affronté une équipe qui était plus que prête, qui joue à domicile. Donc voilà, nous, on vient d'arriver. Mais je suis persuadé que c'est un bon signal d'alarme. Oui, est-ce que vous n'avez pas peur que ça casse un peu cette belle dynamique dont on parlait depuis votre arrivée, ces 3 victoires d'affilée, les sourires qu'il y a tous les jours? Est-ce que ça peut freiner ou casser cette dynamique dans un groupe? Ça va. Demain, il y aura peut-être un peu moins de sourire, mais le sourire, il va revenir. On n'a même pas encore rentré dans la compétition. Rappelez-vous, on peut perdre un premier match de Coupe du Monde et puis être champion du monde. Hein. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, c'est même pas un premier match de Coupe du Monde, c'est un dernier match de préparation. Donc il faut en tirer des enseignements, mais pas en tirer des enseignements trop hâtifs. Parce qu'il reste 13 jours, c'est beaucoup. Et on espère qu'on va retrouver toutes nos forces vives et on sera forcément mieux dans une dizaine de jours pour démarrer cette compétition de la meilleure des façons. Sur le plan offensif, vous avez marqué 3 buts contre l'Irlande. Ce soir, ça n'a pas forcément fonctionné. Comment vous expliquez et puis comment vous trouvez peut-être Kadi sur le retour? Est-ce que vous trouvez qu'elle est dans les temps? Il va lui falloir un peu de temps, oui. Ce soir, c'était programmé qu'elle fasse 70-75 minutes. Elle aurait pu faire plus, mais ça ne sert à rien de griller nos cartes. Donc voilà, c'est donner du temps de jeu, comme Elisa, qui a fait 45 minutes. La dernière fois, elle a fait 30 minutes. C'est à quoi servent ces matchs amicaux. Et si ça avait été un match officiel, est-ce que j'aurais choisi le même 11 de départ? Peut-être pas forcément. Mais aujourd'hui, on est dans une préparation. Il ne faut surtout pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Juste avancer, mieux se préparer de jour en jour. Et puis, on place à la compétition. Je pense qu'on a eu de belles opportunités. Elles ont bien défendu parce qu'elles sauvent une ou deux opportunités en défendant très bien. Voilà. C'était un adversaire, je pense, d'un autre calibre que l'Irlande. Mais je ne pense pas qu'on ait été à notre meilleur niveau ce soir. Voilà. Mais je pense que la victoire de l'Australie est méritée sur ce match. Et puis, on se retrouvera peut-être un peu plus tard. Non, c'est parce qu'il fallait un petit peu plus d'agressivité. Et voilà, je vous le dis, il y a un peu de fatigue pour certaines, un peu plus que d'autres. C'est pareil dans le staff.
Il y en a qui assimilent le décalage horaire un peu plus vite. Voilà, c'est pas se chercher des excuses, c'est juste des indications que je vous donne. Et je suis sûr que on sera présente à l'heure où il faudra être présente. Vous avez l'impression que ça, vous commenciez à définir une équipe type, parce que là, vous avez quand même reconduit la plupart des joueuses à part Elisa. Est-ce que ça vous fait vraiment réfléchir sur... sur votre équipe type, sur les certitudes que vous aviez? On réfléchit toujours. Maintenant, il y a une grosse ossature qui se dessine, mais il faut donner la chance aussi à tout le monde. C'est important. Chaque joueuse aura son importance, qu'elle joue un peu plus, qu'elle joue un peu moins. Voilà, il y a eu quand même des satisfactions ce soir. On ne va pas rentrer dans les commentaires individuels, mais il y a eu encore des satisfactions, donc il faut garder ça, et puis avancer pour celles qui ont été un petit peu en retard ce soir, mais il faut leur faire confiance, elles seront présentes pour cette compétition. Elle est arrivée en retard cette semaine. C'est même pour vous. C'était son dernier match avec le bandage, paraît-il. Oui, c'est des précautions. Je vous dis, Kenza, c'est celle qui parcourt le plus de kilomètres à chaque entraînement. On est sur le terrain, donc il n'y a pas d'alerte de quoi que ce soit. C'est juste de la prévention. Elle fait partie justement des satisfactions de vos premiers, j'imagine, sur les deux matchs. Quand même, elle sort un petit peu du lot. Oui, elle en avance physiquement sur certaines. Il faut que celles qui sont un petit peu en retard comblent cet espace. Elles ont encore une dizaine de jours pour le faire et un petit peu plus, parce qu'on espère rester le plus longtemps possible dans cette compétition. We will take 3 questions in English, if you have. Yes. Yes. So far, I know he's a left ankle. I can't tell you anything more because now he's swelling, and we have to wait for the exams, and just to be patient and to be optimistic. I think we played against one team already ready. We were in the difficult situation for the duels during the first half. A lot of times we were too far. So this is the reason why we had some problems. But we got 2 or 3 chances in first half. We didn't score. So, but the counter-attack were very, very good for Australia, but it's because of our fault. I think defensively we were not ready to play this kind of game. So, congratulations to Australia. I think in this game they deserve to win this game, but it's only a preparation game. Sometimes you can lose the first game in the World Cup and be champion of the world. So take it easy, stay relaxed, and the competition didn't start yet. I hate to end on this now, but to follow up on the injury, is it kind of frustrating to have a player go down after the injuries the team has already had so close to the World Cup, so close to the end of the final? No, but this is part of the game, unfortunately. We just have to wait. The most important is to keep our mind straight for the competition. And of course, when you are losing the game, you always think it's a bad thing, but sometimes it's a good alert. So I hope it will be a very good alert for us. Okay, thank you. Thank you.